Bonjour, ça va? Aujourd'hui, on va au collège. On est à la campagne, au bord de la mer. Il est 7 heures du matin. Voici Alexandra et Vanessa. Elles vont au collège à pied. Voici un bus. Il arrive au collège Matouba. À 8 heures, c'est la rentrée des classes. Les élèves attendent le professeur. Aujourd'hui, il y a un cours spécial. Un exercice tremblement de terre. Reportage. Vous avez vécu un tremblement de terre? Oh oui, j'en ai vécu beaucoup. Qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, tout bouge. Le sol bouge, les maisons bougent, les meubles bougent, les lits bougent, les tables bougent, tout. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on attend. Bonjour les enfants. Bonjour madame. Alors, aujourd'hui, il y a une alarme. C'est un exercice pour les tremblements de terre. Écoutez bien, s'il y a un tremblement de terre, ne sortez pas, restez calme. Mettez-vous à l'abri sous les tables. Vous avez bien compris? Davila? Non, madame, je ne comprends pas. Pourquoi sous les tables? Eh bien, sous les tables, pour vous mettre à l'abri. On y va. Vous écoutez bien les instructions. Imaginez qu'il y a un tremblement de terre. Ne sortez pas, restez calme. Mettez-vous sous les tables. Wow, super! Bon, c'est très bien. Reprenez vos places. Maintenant, vous prenez votre cahier. Nous allons travailler. Oh non! À 10 heures, il y a la récréation. Lundi, on fait de l'anglais. Mardi, c'est le français. Mercredi, gymnastique. Et jeudi, sciences physiques. Vendredi, c'est les maths. Le week-end, on est fatigué. Le week-end, on est fatigué. On travaille jusqu'à la sonnerie. L'heure va sonner, on va croquer Super Choco. On est tous remplis d'énergie. Super, super, super Choco. Super Choco, un biscuit pour recharger tes batteries. Accrochez-vous. Super Choco, c'est pour refaire le plein de super. Super Choco, le plein croqué. Oui, le plein correspond à cette courbe, ça fait 20. Après la récréation, il y a un cours de biologie. Vous pouvez me distribuer les feuilles? Merci. Vous gardez 6 minutes pour pouvoir...
représente le pourcentage de réussite. Oui, ça représente. Le professeur est très sympa. L'instrument dans l'intestin, n'est-ce pas? Très bien. Aussi, le pourcentage de glucides a disparu. Même question pour les acides aminés. Enquête. Quelle est ta matière préférée? Quelle est ta matière préférée? La biologie. La biologie? Les sciences naturelles. Les sciences physiques. Le sport. Les mathématiques. La musique. Le français. L'anglais. Quelle est la matière que tu aimes le moins? Quelle est la matière que tu aimes le moins? L'anglais. L'anglais. Les mathématiques. Les mathématiques. Salut, bonjour de Dijon. Salut, bonjour tout le monde. Il est midi, c'est l'heure de manger. On va à la cantine, on y va. On mange tous les jours à la cantine. Aujourd'hui, il y a du poulet, de la purée, de la salade, on peut choisir du fromage et un dessert. Après, on s'installe et on mange. La cantine, c'est super. Ouais, c'est super bon. Ok. Tu aimes la cantine? Tu aimes la cantine? Non, j'aime pas, non. Non. Je ne mange pas à la cantine. Ah non, je rentre chez moi. Ça dépend. Qu'est-ce que tu manges à la cantine? Qu'est-ce que tu manges à la cantine? Des frites, des pâtes, beaucoup de fruits. Des légumes, un fromage et un dessert. Des frites, des pâtes, du fromage. Hé, tu aimes l'école? Moi, ça va. Et Juju et Juliette? On va le savoir. Et les devoirs, Julien? Je n'aime pas la géographie. La géographie, c'est nul. Salut Juju, tu es là? Salut, qui es-tu? Montre-moi tes devoirs. C'est facile. Voyons, la capitale de l'Allemagne, c'est Rome. La capitale de la France, c'est Madrid, je pense. Voilà! Eh bien, Julien, c'est fini? Londres est la capitale de l'Italie? Rome est la capitale de l'Allemagne? Julien! Ici! Juliette! Viens ici! Alors, on va tout doucement, un petit peu plus loin là, à droite. Après la cantine, on a cours d'art plastique. Aujourd'hui, on fait une sculpture. On va assembler deux morceaux. Stop!
Alors, maintenant, il faut la maintenir verticale, d'accord? Tu veux bien te mettre là? Ça veut dire que vous faites attention, il n'y a plus personne de ce côté-là pour la... Fais attention, Agnès. La partie basse, c'est bien ça? Ouais. À 5 heures, c'est la sortie. Ah bon, c'est la sortie. Vite, allez-y, allez manger. Ah bon, allez parler. Où allez-vous reposer? Lundi, on fait anglais. Mardi, c'est le français. Mercredi, gymnastique. Et jeudi, sciences physiques. Vendredi, c'est les maths. Et le week-end, on est fatigué. Le week-end, on est fatigué. Bon, voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Allez, salut Vincent, à demain. Ciao, à demain. Bon, je rentre chez moi. On y va? Je rentre chez moi à pied. J'habite près de l'école. J'aime bien marcher. C'est gros? Gauche. À droite, droite ou à gauche? On a droite. Oui. Il est bon mon gâteau? Il a fait beau aujourd'hui. Regardez, il y a le soleil qui revient. Qu'est-ce que vous avez fait à l'école? Quand j'arrive à la maison, je mange. Voici ma mère, Marie-Geneviève. Bonjour. Ma sœur, Mathilde. Bonjour. Et mon frère, Pierre-André. Bonjour. Qu'est-ce que tu as fait comme travail? Je fais ensuite mes devoirs. Enquête. Tu as beaucoup de devoirs? Tu as beaucoup de devoirs? Non, pas tellement. Assez, oui. Assez, oui. Je travaille 2 heures tous les jours. Oui, je travaille 1h30. Environ 2 heures par soir. Environ 2 heures par soir de travail. 2 heures par jour. Après le goûter, je fais mes devoirs. Je préfère travailler sur le tapis, pourquoi pas. Allez, à bientôt !